Bonsoir, je crois qu'on peut commencer. Mon nom est Osman Ratib, je suis le président de la section des sciences de l'INGE et c'est qu'avec un très grand plaisir, comme je disais tout à l'heure, que je reprends cette série de conférences et que je vous accueille ce soir pour la première conférence de la série d'automne, puisque toutes les séries du printemps ont été annulées pour le Covid. Donc merci d'être là et c'est avec plaisir qu'on reprend un peu cette activité de face à face. Je tiens à saluer aussi les gens qui sont en ligne, puisqu'on a maintenant aussi la possibilité de suivre ces conférences en ligne. On est en streaming. Mes collègues techniques en haut sont en train de mettre tout ça en place. Donc la conférence peut être aussi suivie et consultée à distance. Et ça nous aide aussi à apporter ces conférences aux personnes qui ne viennent pas ou qui ne souhaitent pas venir. Merci d'être là. Et puis, bienvenue. Vous savez qu'on avait choisi pour cette série de conférences, déjà pour le printemps dernier, de choisir la partie création. On avait eu une série sur voir l'invisible, maintenant on est sur la création. Et vous verrez que c'est un sujet très vaste, on a des conférences qui vont de la technologie à la théologie, bien sûr, et puis on verra aussi des choses beaucoup plus médicales. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir mon collègue, le docteur Kinodo, qui va nous parler de la chirurgie esthétique, puisque la reconstruction, c'est aussi une création. Et on pense que ça fait partie de ce domaine, puisque dans chaque geste, il y a aussi une création, un côté créatif, et des actes qui sont aussi dans le domaine de la création. Docteur Kinodo a fait sa formation ici à Genève, hein, aux hôpitaux universitaires, on s'est même croisés une ou deux fois. Il a ensuite donc, été médecin consultant en chirurgie plastique, ici à l'hôpital, mais il a aussi un board européen de chirurgie plastique, il a fait de nombreuses formations aux États-Unis, au Brésil, et j'ai vu toute une liste d'endroits où vous êtes associé. Il est actuellement installé en cabinet privé, mais il a aussi été le fondateur de la Société Suisse de Chirurgie Esthétique, donc une grosse activité multidisciplinaire, et enfin un engagement humanitaire qui est assez important, puisque il est aussi engagé dans plusieurs projets au Brésil, aussi bien en Afrique, en ayant en 2010 créé une association qui est l'association Deuxième Chance, où vous activez partout en Afrique pour justement apporter de la formation surtout, mais aussi un support pour développer des techniques pour lesquelles ces pays n'ont pas encore l'infrastructure qu'il faut. Mais aujourd'hui, ce sera plus concentré sur tout ce qui est la créativité dans les gestes de chirurgie esthétique et de chirurgie reconstructive, parfois à but esthétique, mais parfois aussi à but de rendre la personne de nouveau dans un état qui est acceptable socialement. Docteur Kinodo, je vous passe la parole et merci d'être venu ce soir. On aura, pendant qu'il se prépare, je vous avertis que la session des questions ensuite a un peu changé, puisque vous savez que, donc, à cause du Covid, on est obligé de changer un peu nos habitudes. Donc, au lieu de vous passer le micro, malheureusement, si vous avez une question, vous êtes obligé de redescendre masqué et poser la question au micro qui est là. Je vous demande de le faire parce qu'il y a aussi des gens qui sont, enfin, il y en a un de chaque côté, parce qu'il y a des gens qui sont en ligne, et puis si vous posez la question qui n'est pas dans un micro, ils ne vous entendront pas. Voilà. Docteur Kinodo, la parole est à vous. Bonjour. J'enlève mon masque, c'est le mois du cancer du sein, on m'a donné un masque rose. C'est aussi l'image. Et donc on va parler aujourd'hui de chirurgie esthétique et image. Donc de mon côté, j'étais président de la Société Suisse de chirurgie plastique il y a 4-5 ans, et maintenant je représente la Suisse dans la Société internationale mondiale, au niveau mondial d'esthétique. Et on est en train d'essayer de faire évoluer la mentalité dans le domaine de l'esthétique. Et comme l'a dit le professeur Ratib, on a créé une association humanitaire, Seconde Chance, qui aide en Afrique. Je vous invite vraiment à aller regarder le site de notre association. On a une grosse activité d'enseignement pour la réparation, pas pour le domaine de l'esthétique pour l'instant. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour améliorer son image ? Michael Jackson, c'est un bel exemple. Ce jeune garçon vraiment a changé et au fil des années, jusqu'à devenir, là on le voit en 2005, une espèce d'homme bizarre, et il faut vraiment faire attention à ne pas aller dans l'excès. En fait, notre image peut être belle de différentes façons. L'homme à gauche est tout aussi beau pour moi que la femme à droite. Et je pense que tout est relatif dans ce domaine.
Ensuite, notre image peut être influencée par l'extérieur. Là, si vous voulez acheter des Armani, je ne sais pas si vous serez très tenté pour acheter de l'Armani. Par contre, là, peut-être, vous aurez plus de tentations. Il y a toute une des personnes qui travaillent dessus pour modifier vraiment notre désir d'acheter, de créer. Et beaucoup de magazines, chaque fois qu'on ouvre un magazine, il y a toujours des tas d'articles sur la publicité, sur la cosmétique, sur l'esthétique des patients. Vous voyez, la patiente plus jeune, plus de choix, plus de risques. Là, vous voyez les couvertures de magazines. Elle, alors bon, quand on voit d'un œil professionnel, on voit qu'elle a un petit peu de botox sur les sourcils. On voit qu'il y a un petit peu de filler dans les lèvres, dans les pommettes. Elle a des prothèses 250cc. Vous jugez professionnellement et c'est à tel point que quand on va au carnaval de Rio, vous avez le catalogue du carnaval et les femmes, les chefs des chars, elles ont sein natural, c'est marqué, ou sein 250cc, c'est marqué sur le catalogue quand on est au carnaval. Donc on vit une époque assez étrange. Et donc on va parler de la tyrannie de la beauté. En fait, il y a des persécutions déjà chez depuis le jeune âge. Par exemple, l'enfant qui est trop gros, on va rigoler, celui qui est trop petit, celui qui louche, celui qui a des dents mal plantées. Et vraiment, à partir, ça commence assez jeune. Jusqu'à l'âge de 5-6 ans, les enfants ne se rendent pas compte. Si vous avez quelqu'un qui a un enfant qui a un bec de lièvre ou une fente faciale ou une malformation, il va être accepté. Mais à partir de 6-7 ans, je pense que les psychologues le diront mieux que moi, à ce moment-là, ils verront la différence. Et je vous donne juste un exemple d'un de mes patients d'oreilles décollées. C'était un jeune qui venait d'un pays étranger qui est vraiment, on a l'impression qu'il allait décoller. Hein. C'était, il a des oreilles impressionnantes, rouges comme ça. Et dans sa classe, il faisait des petites boulettes de papier, puis chaque fois qu'il touchait ses oreilles, ça faisait un point. Vous voyez, c'était horrible. Donc, sans qu'on le veuille ou non, l'apparence joue en faveur du plus beau. Sans qu'on ait conscience, nous, quand on enseigne, on sera peut-être plus influencé par... Il y a différents types de beauté, mais on sera influencé par la beauté. Et ça, ce qui existait à l'école, ça se poursuit au travail, aux entretiens d'embauche. Et puis même face au juge, je pense qu'une crapule qui sait bien parler, qui est bien sur lui, il pourra embobiner les juges plus facilement que quelqu'un qui est moins beau. Et ce qui est beau est bien. Donc, vous voyez la sorcière... La méchante, elle a un gros nez, elle a un bouton sur le nez, il y a le nez qui tend à rejoindre la queue de dent. On ne va pas mettre une jolie fille pour représenter le mal. Donc sur le marché de l'amour, la loi de la beauté est encore plus implacable, cruelle. Il y a de l'amoureusement correct et puis le beau vers les beaux, les laids vers les laids. Et puis, comme on voit, côté l'imaginaire de la laideur fut associé au mal. Il y a même une sélection, je pense que les vikings qui étaient des grandes baraques... épousait la plus jolie fille et il y avait une sélection naturelle où ceux qui étaient petits, gros, pas sportifs, qui ne pouvaient pas les chasser, étaient un peu laissés de côté. Donc il y a une certaine sélection, qu'on le veuille ou non. Et depuis la nuit des temps, l'homme et la femme ont voulu embellir, conserver la fraîcheur de leur jeunesse, voire rajeunir. Et c'est intéressant, vous allez voir la détérioration progressive. Donc il y a un fait biologique, il y a un fait morphologique, et un fait psychologique. Je vais m'expliquer. Aucune cellule normale n'est immortelle. Une drosophile, elle est vieille à 30 jours. Une souris à 3 ans, un cheval à 30 ans, puis certaines tortues à 130 ans. Puis le fait morphologique, c'est l'expression tissulaire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les tissus vont vieillir, vont se flétrir, vont suivre le fait biologique. Et puis le fait psychologique, donc avant on était vieux à 50 ans, maintenant on est... À 80 ans, on est même plus vieux. Quelqu'un qui se conserve bien, on a vraiment, on a repoussé grâce à différents procédés, on a repoussé l'échéance. Et là, donc, la médecine donne des années à la vie. Donc, comme on l'a dit, le grand âge s'est déplacé, commence à 80 ans, voire plus. Puis le troisième âge qui le précède est super actif. Donc, dans mes amis, j'ai mes amis de 87 ans. Qui m'a appelé l'autre jour, il m'a dit je dois être sous trithérapie. Je dis, oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je dois être sous mélatonine, Viagra et puis un autre. Oh, c'était ça sa trithérapie. Ouais, il a gardé l'humour, il a 87 ans. Donc,
Et puis donc tous ces progrès ont donné des années à la vie. Et puis en fait, le but de l'esthétique, c'est donner... il faut que notre physique soit en adéquation avec notre jeunesse interne. Et j'aime bien cette phrase, je l'ai mise, j'ai un site internet, je l'ai mis dedans. La médecine donne des années à la vie, la chirurgie esthétique donne de la vie aux années. Alors, je parle du signe du miroir. Qu'est-ce que c'est le signe du miroir? C'est une personne qui se sent en pleine forme. Elle est en pleine forme et puis tout d'un coup, elle se voit dans le miroir et puis elle se trouve fatiguée, triste, ça ne va pas. Ou les gens lui disent, mais t'es fatiguée, t'as mal dormi, alors que maintenant, je suis en pleine forme. Donc, c'est le signe du miroir. Et les personnes viennent nous voir en disant, bah, écoutez, j'aimerais juste, je ne veux pas ressembler à une poupée Barbie, mais je veux juste être en adéquation avec mon intérieur et pas qu'on me dise que j'ai l'air fatiguée. Parce qu'on peut traiter, c'est vrai, on peut faire du sport, on peut surveiller nos régimes, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on a ce fait biologique qui fait qu'il y a une détérioration. Pour l'instant, on n'a pas réussi, on travaille beaucoup dessus. On n'a pas réussi à améliorer la chute, la détérioration de notre élastine, de notre collagène, de tout notre intérieur. Alors, ensuite, je mets des petites notes personnelles quand même. Ça, j'appelle ça le signe de l'abonnement de ski ou le signe de l'autobus. Deux de mes exemples de deux patients, l'abonnement de ski, c'est... J'ai un homme, j'en ai deux en fait, coup sur coup, qui ont débarqué à 2 mois d'intervalle, au cabinet, en disant, mais écoutez... J'étais avec ma copine toute jeune, mes enfants en pleine forme, et j'étais chercher l'abonnement de ski, elle était au Grand Montet à Chamonix, puis la caissière m'a demandé si je voulais un abonnement personne âgée, troisième âge. Et alors là, je suis venu en urgence. Ça, c'est le signe de l'abonnement de ski. Le signe de l'autobus, c'est une sympathique dame qui était dans l'autobus, tout allait bien, elle était heureuse, ça allait bien, et puis il y a un jeune homme qui s'est levé en disant, écoutez madame, est-ce que vous pouvez prendre ma place? Je dis, mais pourquoi vous voulez prendre ça? Je suis en pleine forme. Mais rasseyez-vous, jeune homme. Et puis là, elle dit, écoutez, docteur, je suis venu ventre à terre vous voir parce que je ne me rendais pas compte, mais a priori, j'ai pris un coup de vieux. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'esthétique? Une patiente qui a pris un petit coup de vieux, on peut améliorer son apparence techniquement. On peut toucher un petit peu la pointe du nez, remonter un petit peu la joue, puis améliorer l'ovale du visage. Puis elle se sent mieux après. Mais on ne va pas parler de cas, on n'est pas là pour exposer des tas de cas cliniques, mais est-ce que c'est futile, est-ce que c'est utile, tout ça? On ne reste pas indifférent. Mais la définition de la santé de l'OMS est un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas à une absence de maladie ou d'infirmité. Je veux dire, vous pouvez être en absence de maladie et être en mauvaise santé. C'est important. C'est vraiment ça. Il faut faire partie du tissu social, il faut bien être bien dans sa peau. Donc il faut être actif, être en bonne santé, être beau et se sentir bien et avoir l'impression qu'on peut plaire. Et Aristote disait la beauté est la meilleure lettre d'introduction. Puis Sacha Guitry, méfiez-vous de la première impression, elle est souvent la bonne. Là encore une note personnelle. Ça c'est les Indiens Navajo d'Amérique du Nord. Dans leur langage, il y a le terme ozo. Et ozo, ça veut dire santé et beauté. Il n'y a pas de mot pour différencier la santé, différencier la beauté. Et ça, c'est très, très intéressant. Vous voyez, on se met par exemple du rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est le rouge à lèvres? Si on réfléchit un petit peu, en fait, c'est se peindre les lèvres en rouge. Pourquoi on se peint les lèvres en rouge? Parce que quand on a 18 ans, on est plein d'hormones, plein de vaisseaux, et les lèvres sont très rouges parce qu'on a beaucoup de vaisseaux sanguins dans les lèvres. Donc quand on se peint les lèvres en rouge, quelque part, c'est pour être en bonne santé. Et donc, c'est tout est relié, si vous voulez, quand on va un peu plus loin. Alors là, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Donc, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours été concerné par son aspect. Vous voyez, déjà 20 000 ans, ça date de 20 000 ans avant Jésus-Christ, on a une statue de la Vénus de Willensdorf, très connue. Donc, c'était l'idéal de beauté à l'époque, parce que quand on est bien en chair comme ça, ça veut dire qu'on a des moyens, et on a accès à la nourriture, donc c'était les critères de beauté de l'époque. Ensuite, on est déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Platon le philosophe, disait les trois rêves de chaque homme, jouir d'une bonne santé, devenir riche par des moyens honnêtes et être beau. Et 300 avant Jésus-Christ, Xénophon le grec disait, je jure devant les dieux que je choisirai la beauté plutôt que tout le pouvoir du roi de Perse. Alors ensuite, les Romains, il y avait un idéal grec de la beauté, c'était aussi associé à la richesse. Vous voyez, il y a Poppée, la femme de Néron, qui se baignait dans du lait d'ânesse pour être plus blanche. Elle trouvait comme ça, c'était aussi relié, parce que quand on est blanc, ça veut dire qu'on n'est pas bronzé, on ne va pas dans les champs, ça veut dire qu'on ne travaille pas.
voyez, c'est un petit peu comme en Angleterre, le gazon est né comme ça. On mettait du gazon parce qu'un gazon, ça ne sert à rien. Il faut l'arroser. Il faut du personnel pour l'arroser. Et tout est relié tout, donc, quand on creuse un petit peu. Ensuite, il y a eu la Renaissance. Donc, ils ont essayé d'intellectualiser le tout. Il y a des applications de principes mathématiques au corps. Ils ont essayé de quantifier par des proportions. Durer, Léonard de Vinci, vous voyez. Alors, ça, c'est les proportions mathématiques de Durer de la femme idéale. C'était pas terrible, selon moi. Ensuite, ils ont essayé de faire d'autres critères, vous voyez, un peu plus intellectuels. Ils cherchaient le nombre d'or. Là, Léonard de Vinci, qui était un magnifique un génie, a longtemps essayé de trouver le nombre d'or, mais il n'a pas réussi à trouver le nombre d'or. Et finalement, on s'est rendu compte que la beauté, ben, c'est relatif. Il n'y a pas de règle. Donc ensuite, Botticelli, Michelangelo, ils ont réussi à dessiner les femmes et les hommes de manière tout à fait adéquate, comme de nos jours. Et c'est vrai qu'il y a toute une... C'est très, très intéressant de voir l'histoire de la beauté. Et on peut dire, qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que la beauté? Quand on voit tous les tableaux, c'est vraiment passionnant. Ensuite, il y a eu Elisabeth I, retour en arrière avec le port du corset. Vous voyez les femmes qui étaient un peu enlaidies, planquées derrière des tas de corsets. Ensuite, pour vous dire que la chirurgie esthétique date de très, très, très longtemps. D'accord, on est d'accord en 1794, publication sur la fixation d'un nouveau-né. D'accord, ils ont copié les Indiens qui réparaient déjà à l'époque les nez, parce que une des punitions des voleurs ou des criminels, c'était de couper le nez. Il y avait une opération, on prend la peau du front pour refaire le nez. Donc déjà, il y a très longtemps, on faisait déjà de la chirurgie qui était considérée comme lourde. Et puis, je ne peux pas quand même m'empêcher, on n'a pas le temps de développer ça, mais... Quand même, l'arrière-arrière-grand-père de mon ami Roverdin, qui est chirurgien bien connu à Genève, donc c'est deux frères, un urologue et un neurochirurgien, c'est l'inventeur de la greffe de peau. Il faut se dire ça. Il était interne à Paris, et il y avait un mutilé qui avait un moignon, et il a pris un petit bout de peau avec une petite lancette, une petite curette, et il l'a posé sur le moignon. Et il est revenu le lendemain ou deux jours plus tard, regardez si ça tenait, et le petit bout de peau qu'il avait mis de 2-3 mm avait tenu sur le moignon. Donc il s'est dit, mais c'est incroyable, ça marche. Donc il a pris des autres petits bouts de peau, puis il les a posés de nouveau sur le moignon, et il a montré qu'il pouvait guérir le moignon. Et son patron, à l'époque, était quelqu'un qui était très bien. Il n'a pas gardé, comme font tous les grands patrons de l'époque de médecine, ils mettaient leur nom sur une technique, sur un instrument. Il a dit à son interne suisse, écoute, c'est ta greffe, publie, tu es le premier à inventer ça, et maintenant ça s'appelle la greffe de Roverdin, et c'est le précurseur de la greffe, donc on est très très fiers de lui à Genève. Ensuite, on parle d'esthétique, mais il faut savoir que l'esthétique naît de la guerre, d'accord? On vient de la Première Guerre mondiale, ça a commencé parce qu'on a eu la guerre des tranchées, où les gens avaient des charpennels, etc., et le problème c'est que ça vous dissèque le visage ou des parties du corps, mais pas du tout les parties qui nous font vivre. Tant que le cœur n'est pas atteint, les poumons, les reins, bon, on vit très bien. Et ils se sont trouvés que toute une série de mutilés qui ne savaient pas comment réparer. Et donc là, il y a eu la création des groupes, ils ont fait un team de chirurgiens et ils ont créé ce qu'on appelle les gueules cassées et ils ont appris des méthodes de reconstruction. Et de là, il y a une première spécialité, il y a la chirurgie générale et ça s'est spécialisé en la chirurgie de reconstruction. Ça, c'est la première période. C'était le début, mais la vraie naissance de la chirurgie plastique et reconstructive. Moi, je suis un passionné d'histoire de la chirurgie plastique. Je pourrais vous en parler 3 heures d'affilée, mais c'est la création de la chirurgie plastique. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passait, c'est qu'il y a eu des brûlés massifs, ce qui était très nouveau parce qu'il y avait les pilotes. Et les pilotes de la RAF qui avaient les Spitfire, en fait, ils étaient à cheval dans leur avion sur leur comment on appelle ça, là où on met l'essence, dans leur réservoir d'essence. Et il n'y avait pas de protection. Donc ils étaient à cheval, il n'y avait pas d'essence. Normalement, l'essence devrait être dans les ailes de l'avion, mais pour des questions techniques, ils ne voulaient pas. Il n'y avait pas de plaque entre le pilote et le réservoir d'essence. Donc quand il y avait une balle qui arrivait dans le réservoir, il explosait, il leur arrivait dans le visage, dans l'entrejambe et dans les jambes. Et il y a eu une énorme... Mais ils étaient vivants encore. Ils arrivaient à atterrir, ils revenaient brûler massivement. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une création en Angleterre d'un groupe. Quoi. Il y avait énormément de brûlés. Ils ont créé un hôpital spécial pour les brûlés.
Et il y a le groupe qu'on appelle, ils ont fait les Kobe, the guinea pigs, et c'est vraiment, il y avait un chirurgien extraordinaire à Londres qui a créé ça, et avec l'humour anglais, donc il fallait pour faire partie être officier, pilote et brûlé. Et le trésorier des guinea pigs, c'était un cul-de-jatte, comme ça il ne peut pas s'enfuir avec l'argent. Il y avait cet humour anglais qui fait que c'était devenu un honneur de faire partie de ce guinea pig, et ça a perduré jusqu'à il y a encore 2 ans avec les anciens combattants. On avait presque envie de se faire brûler pour faire partie du club. Et puis donc, Dr. S. Noël à Paris faisait déjà de l'esthétique, vous voyez, elle faisait sa cup of tea after the surgery du visage, et elle faisait des opérations comme ça, elle faisait des excisions sutures, elle coupait la peau un petit peu, ça remontait, elle coupait sur les côtés, ça remontait, faisait les bajoux, hop, ça durait pas tellement longtemps, mais ça marchait. Et on va parler maintenant de la relativité des critères selon les différentes sociétés. La beauté dans les autres cultures, qu'est-ce que c'est que la beauté? Alors, en Afrique, c'est surtout les scarifications, parce que la peau noire est une peau épaisse. C'est pas la couleur de la peau qui fait qu'il cicatrise mal, c'est l'épaisseur. Vous avez les peaux jaunes, certaines régions au Japon, elle est plus épaisse que la Chine. Certaines régions de Chine ont une peau qui cicatrise mal. C'est la même chose en Afrique. Le Centrafrique a une peau beaucoup plus épaisse, alors que la peau des Somalis, des Éthiopiennes, est très, très fine. Et il y a une énorme différence, mais... Donc, ils travaillent sur la scarification en Afrique. Donc, il y a les femmes à plateau, dont je montrerai des photos. C'est la tribu des Mercy. Il y a les Vénus Hottentot, qui ont des fessiers hypertrophiés, les femmes calipiges, avec tout... D'accord. Et puis, c'est les femmes des Bushman qui ont ce qu'on appelle une stéatopygia, c'est-à-dire qu'elles peuvent stocker la graisse et l'eau dans les fesses. Mais c'est une spécificité des Bushman, de la tribu des San en Namibie. Et j'ai une photo, vous verrez, c'est impressionnant, je les ai vus, c'est impressionnant. En Asie, alors la beauté, c'est les petits pieds, comme vous le saviez, surtout à l'époque. En Japon, ben, un signe de félicité, c'est les oreilles décollées. Donc c'est très bien d'avoir les oreilles décollées au Japon. Puis en Europe, ben, on n'a rien à dire. On est des fois maintenant, il suffit de se promener dans la rue, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On voit des personnes qu'on verrait très bien. Moi, je les verrais très bien, des tribus d'Afrique. Et puis ils sont tatoués, percés. Donc tout est relatif dans ce domaine. Donc vous voyez, en Asie, on garde les oreilles un petit peu décollées. Les petits pieds, on se sent mutilés depuis le plus jeune âge. Et ce qui fait qu'elles peuvent très très peu marcher. On les voit marcher, les anciennes. On voit encore des vieilles au Japon qui n'arrivent pas à marcher. Ensuite, il y a en Asie, donc les où on met ces anneaux aussi dans les bras aussi, et ça leur allonge le cou. Elles peuvent plus s'en passer parce qu'elles ont plus de musculature cervicale. Et si on enlève les anneaux, ça leur fait le coup du lapin. Mais tout ça pour de l'esthétique, mais qui est pas fonctionnelle. En Afrique, vous voyez, ça c'est un critère de beauté majeur. Hein, c'est la tribu des ânes, et puis les femmes à plateau. En Europe aussi, vous voyez, on a rien à se cacher, hein, donc avec des piercings qui sont passés, même dans la... Beaucoup sont passés... Maintenant, c'est presque quand on doit employer quelqu'un. Mon fils me disait, je disais, mais si t'es tatoué comme ça, c'est pas terrible. Il dit, non, c'est peut-être le contraire. Si devant l'employeur, c'est peut-être un plus d'être tatoué. J'avais pas d'argument. Et puis, en Afrique, vous voyez, moi, il est magnifique, cet Africain. Il est magnifique. Et c'est de la scarification. Alors, est-ce qu'il y a un critère de beauté universelle maintenant? Il y a des constantes qui se dégagent nettement. Petit nez, grands yeux. On préfère des traits plutôt enfantins, pas de bajoux, des pommettes saillantes, forme moyenne de l'ovale qui fait référence. Et partout dans le monde, ça c'est quand même des critères globaux dans le monde. Donc ça varie selon les époques, mais cette variation se fait autour de vraiment quelques attracteurs esthétiques qui sont... on est moche, quoi. Si on a les dents mal plantées, si on a des boutons sur le visage, si on a un faciès qui nous fait des grimaces, qui nous fait grimacer, si on a des rides, si on a des taches, une peau irrégulière. Mais malheureusement, il y a quand même une standardisation. Je veux dire, aux consultations, il y a des Asiatiques qui viennent pour se faire débrider, se rectifier les nez épatés. Vraiment, il y a vraiment une standardisation et c'est un peu regrettable. Et c'est là où on y reviendra par la suite, c'est là où on a notre mot à dire. Il ne faut pas jouer le jeu de ces gens. Alors, est-ce que la beauté est subjective aussi? On a une perception commune de ce qui est laid comme ce qui est beau, mais il y a, au-delà d'une certaine limite de conformité, on peut parler de disgrâce ou de malformation. Mais les critères de beauté changent avec les modes, l'importance des médias et de la publicité, des selfies. Vous voyez, vous pouvez être moche ou moyen à une certaine époque, mais si tout d'un coup vous ressemblez, je ne sais pas si c'est... Il y a Brad Pitt, c'est un beau gosse dans les acteurs, mais il y a des acteurs qui ne sont peut-être pas forcément beaux, mais qui auront un succès...
Et si quelqu'un le ressemble un petit peu dans l'inconscient collectif, quand il va chercher un emploi, il sera peut-être plus... S'il ressemblait un petit peu à Harry Potter, même s'il a avec des petites lunettes rondes, même si ce n'est pas forcément un critère de beauté 10 ans auparavant, au moment où il y a Harry Potter qui est à la mode, si vous venez chercher un emploi, l'employeur qui vient de voir Harry Potter vous engagera inconsciemment plus facilement. D'accord ? Et puis, donc, c'est là que je veux dire, il y a une influence inconsciente qui varie sur les années. Actuellement, on en parlera par la suite, on est très, très influencé par des... En tout cas, pour les jeunes générations, par Kardashian, par Bella Hadid, par toute une... C'est des femmes donc, qui ont la plus d'influence dans le monde. Il faut bien se rendre compte. Dans une grande partie du monde, c'est les plus influentes au monde. Et donc, on est responsable vraiment de ça, en partie, dans notre domaine de la chirurgie esthétique. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Survival of the Prettiest », donc la survie des plus belles, par Nancy Etkoff. Donc, on doit prendre conscience, comme chirurgiens qui font de l'esthétique, de notre pouvoir de participer à la création petit à petit de transformation de la population. D'accord ? Donc on a surtout parlé de la chirurgie qui corrige le vieillissement, mais on doit parler maintenant de la chirurgie de transformation. Vous voyez, un lifting, quand ça tombe, on remonte, on remet les choses en place, on peut embellir un petit peu, mais on remet les choses en place. Maintenant, il y a la chirurgie de transformation qui va modifier les parties du corps, vous voyez, par le nez, le menton, les pommettes. Et je vais vous raconter une anecdote très intéressante selon moi, comment on peut créer une nouvelle image progressivement et inconsciemment. J'ai une famille qui est venue à la consultation avec, ils avaient mesuré 1m65, 1m70, les parents, leur fils 2m15, 2m20, une énorme baraque. Il ressemblait justement à Joe dans James Bond. Il avait une énorme mâchoire, etc. Puis il venait pour une chirurgie du nez, des oreilles, et puis manifestement, il était monstrueux. Il était malade. Et il était passé, il venait pas de Suisse, il s'était passé entre les filets des pédiatres. Puis j'ai dit, mais votre fils, vous n'avez pas l'impression qu'il est un petit peu, il a peut-être un problème d'hormone de croissance. Il a peut-être dans ma tête, il avait une tumeur de l'hormone de croissance, c'est-à-dire qu'un gigantisme. Et ça se traite, ça se freine, parce que ça fait des problèmes osseux, ça fait des gros problèmes. Et les parents disaient, mais non, il est baraque, notre fils, il en est super fier, il est musclé. Et quand on voit les photos, je leur ai demandé à la consultation d'après, j'aurais dit de venir avec des photos, on voit qu'il devient progressivement un monstre, mais comme c'est leur fils, et ça se fait petit à petit, ils s'en sont absolument pas rendus compte. Absolument pas rendus compte. Il a fallu après l'emmener dans une consultation spécialisée pour... et il y avait une tumeur de la glande qui sécrétait beaucoup trop d'hormones de croissance. Puis si on avait continué, il serait mort. Et donc maintenant, voilà, c'est de ça dont il faut se méfier. Et ça peut être à l'échelle de la population. On peut petit à petit être transformé sans s'en rendre compte, avoir des bajoux comme ça, ressembler avec des lèvres de... On a envie de vous coller contre le frigo, sans vous en rendiez compte, vous voyez. Il faut faire attention. Puis là, on a notre rôle à jouer. Maintenant, je vais vous parler des canons de la beauté. Vous allez apprendre des choses, vous verrez. Et moi, j'ai aussi appris quand j'ai regardé les photos. À travers les âges, Nefertiti, pour beaucoup d'entre nous, c'est un modèle. Elle était déjà très belle à l'époque, il y a beaucoup de bustes d'elle. C'était une femme magnifique avec des critères, elle avait déjà un cou très long. Bref, elle est restée, elle a influencé beaucoup l'esthétique de cette période. Ensuite, on va plus loin, Greta Garbo, avant, mais Greta Garbo après. Vous voyez qu'elle a une rhinoplastie déjà à l'époque, elle a une chirurgie, je pense, du menton. Déjà très tôt, au début du siècle. Marilyn Monroe aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle Norma Jean, avant la chirurgie. Après, elle a une chirurgie du nez, chirurgie du menton. Déjà très jeune, elle a eu de la chirurgie. Ensuite, il y a la médecine esthétique, qui avant, vous voyez, un peu plus tard. Angela Jolie, qui fait des petites choses esthétiques. C'est beaucoup plus subtil. Elle était déjà très belle à la base. Et puis, vous voyez qu'elle a un petit peu changé, mais pas trop. Elle est restée elle-même. Ensuite, on arrive dans les années 80, où il y a un radical changement avec des femmes comme Kardashian. Kardashian, je crois qu'elle est la plus grande, c'est la femme numéro 1 en influence dans le monde actuellement. Elle est suivie par je ne sais pas combien de millions d'abonnés qui regardent jour après jour tout ce qu'elle fait. Et c'est des... Bella Hadid aussi, vous voyez, c'est tous ces visages qui changent petit à petit. Donc, quand on fait de l'esthétique, qu'on soit chirurgien ou médecin de l'esthétique, on doit prendre
conscience de notre pouvoir de participer à la création petit à petit de clones. Il faut faire très attention. Vous voyez les nouveaux visages ? C'est un peu comme ça. Puis je vais aller un peu plus loin maintenant. Donc, les jeunes, et j'ai des patientes qui ont à ma consultation des fois 20 ans, 25 ans, vous seriez surpris de tout ce qu'elles ont fait déjà. Et j'appelle ça la Kardashianisation du monde qui est en marche, d'accord, avec un type de beauté à la croisée des mondes orientales et occidentales qui rallie toutes les sensibilités, quel que soit notre pays. Le but, c'est d'avoir une image forte, dynamique, avec des pommettes hautes, un ovale taillé à la serpe, affaibli à l'émacétaire, c'est les muscles de la mâchoire, il y a des moyens, et puis avancer le menton, et petite pointe du nez qui est étroite, et une bouche gonflée. Normalement, la bouche, il y a une règle des deux tiers. La lèvre inférieure doit être deux tiers, et la lèvre inférieure, un tiers. Mais il y a des changements petit à petit qui se font, mais ce n'est pas naturel. Certaines personnes sont comme ça. Ce n'est pas la norme. C'est quoi ? Ce n'est pas la norme. C'est plutôt rare, mais habituellement, on a ça. Et ça va vraiment loin, parce que, vous voyez les Barbie ? 2013, 2014, 2015, ils modifient petit à petit pour s'adapter à la population, même le visage des Barbie. Et puis, c'est très intéressant quand on creuse encore, vous voyez ? Ça, c'est une fille qui est, moi, j'appelle une fille, une jolie fille. D'accord ? C'est une beauté classique qui, petit à petit, va être modelée par la tendance de l'époque. Je m'explique. Actuellement, le type de beauté, par rapport à cette fille qui était considérée comme, comment on dit, super canon, il y a 10, 15 ans, actuellement, elle ne serait plus dans les critères de beauté actuels. Vous allez voir. Actuellement, on cherche plutôt qu'une fille qui elle est trop douce, elle fait un peu passive, un peu femme au foyer. Ils cherchent image forte, dynamique, masculine, pommettes hautes, ovale taillé à la serpe, affaiblir les masséters, on peut mettre du botox dans les muscles qui se fragilisent, ils dégonflent, la bouche gonflée, modifier la règle des deux tiers, un tiers. Vous voyez ? C'est des visages comme ça, et quand on regarde, c'est juste hallucinant, parce que de plus en plus de personnes tendent à être comme ça. Et c'est vraiment impressionnant, vous voyez ? Avec une image forte, dynamique, masculine. En fait, il y a aussi ça part aussi dans le but d'être un petit peu comme l'égalité des sexes, quoi, en disant, bon, on s'affirme, on va bosser, on dirige, on veut montrer une image forte avec l'ovale taillé à la serpe. Et c'est ce que je vous disais. Donc, c'est typiquement, c'est une des. Donc, les femmes ressemblent à. Il y a cette tendance, vous voyez, avec des visages un petit peu comme ça. On aime ou on n'aime pas, on n'y peut rien. Mais c'est toute une partie de la jeune génération qui va être comme ça maintenant. Donc les nouveaux visages, si vous voulez, quand c'est une personne qui vient comme ça à la consultation, ben, on peut l'aider, on lui dira, bon écoutez, on fait ça. On lui dit, allez vous maquiller. On peut se maquiller si on veut, on peut faire avec du maquillage des jolies filles. Le problème qui se passe actuellement, là on est en Europe, on est sous nos latitudes, mais quand je vais aux États-Unis, à Los Angeles par exemple, on a des filles comme ça, qui viennent à la consultation. D'accord ? Ça, c'est la famille des Kardashians. Justement, c'est une de l'équipe des Kardashians. Avant l'opération. Et elle vient à votre consultation en disant, écoutez, je veux être comme ça. Je me trouve laide. Et puis, quand elle ressort d'un certain type de médecine actuellement, et c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, elle ressort comme ça. Vous voyez ? Alors, pour elle, elle se trouve beaucoup plus belle. Moi, je l'aimais mieux avant. Mais pour elle, elle est plus belle, vous voyez, mais c'est technique, c'est chaque fois des opérations difficiles. Faut pas, donc il faut faire une rhinoplastie, ça veut dire qu'il faut enlever un petit peu la petite bosse du nez, il faut fracturer les parois latérales, toucher la pointe pour remonter la base du nez, adoucir. Ensuite, vous faire un brow lift, c'est-à-dire vous devez aller soulever la queue des sourcils, gonfler les joues, mettre de l'injection sous les lèvres et gonfler les lèvres. Mais donc, il y a une tendance et on a notre rôle à jouer. Et actuellement, quand on voit des filles comme ça, on essaie de leur dire, écoutez, on se calme, respirez un grand coup, on va voir. Et ça prend, le problème, c'est que ça prend beaucoup plus de temps de discuter avec elles, de leur expliquer que de faire le geste, la planifier. Et puis, donc, il faut bien discuter. Un exemple, vous voyez, Jennifer Lopez. Parler de quelqu'un connu, un peu plus vieille génération. Avant, elle était comme ça. Maintenant, elle est comme ça.
Vous voyez, il y a cette tendance qui est... voilà. Et c'est ça, un des sujets. Donc, je voulais que vous réalisiez bien ça. Et on a vraiment... On a une bombe dans les mains, comme dans notre métier. C'est quand même un métier difficile. Il y a le point de vue technique, mais surtout, il y a le point de vue psychologique. Et je citerai Marc Aurèle, j'adore cette citation. « Agis quand tu peux, abstiens-toi quand il ne faut rien faire, mais sache faire la différence. » Donc maintenant, vous voyez, les rhinoplasties, les liftings, c'est dur à faire. Ce n'est pas facile techniquement. Vous voyez, il y a des critères. Puis qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? Et je me suis retrouvé, j'ai eu une patiente des tribus royales afghanes qui avait un nez d'aigle magnifique pour une rhinoplastie. Elle n'aimait pas. Donc ça a été compliqué de lui faire comprendre que non, il faut qu'elle garde son nez d'aigle. Elle va plus faire partie du tout de son... Elle va perdre tout son héritage culturel d'Afghanistan. Et ça a été compliqué de lui faire. Donc dans ces cas-là, là, ce que j'avais fait une toute petite chirurgie de la pointe du nez, léger, ça ne lui a pas changé le nez, pour lui faire accepter, et elle a accepté. Mais si on ne faisait rien, elle aurait été, Dieu sait où, aux États-Unis ou dans certaines personnes qui, voilà, au programme la semaine prochaine, combien vous me payez, patient suivant. Vous voyez, et là, et c'est là où on a une bombe dans les mains. Vous voyez, un nez, c'est comme ça, classique, de dessous. En fait, il y a des nez, il y a des pointes bulbeuses, il y a des pointes, ça s'appelle boxy-type, avec les cartilages un peu écartés. Je parle juste de la rhinoplastie comme ça, mais je pourrais parler de 50 autres opérations. Donc, il faut fracturer, on enlève la bosse, techniquement. Les petits traits pointillés, et ce qui est en jaune, c'est l'os. Donc, on doit casser l'os, parce que si vous enlevez la bosse, on appelle ça un open roof, on a le nez qui est carré. Donc, il faut rapprocher les parois. La pointe, il faut la travailler sur le cartilage. Donc, c'est pas dénué. Il y a le canal lacrymal qu'il faut pas attraper. On peut avoir des gènes respiratoires. Donc, tout ça pour un défi de 20 ans, c'est très difficile. On a vraiment une bombe dans les mains. Et puis, je vous rappelle donc aussi, il faut pas jouer le jeu, pas créer progressivement changer la population. C'est valable aussi pour les seins, pour les Barbies. On a dû modifier la... Ça, c'était les anciennes Barbies. Elles avaient une poitrine beaucoup plus grosse que maintenant. On a dû diminuer la taille des Barbies parce qu'inconsciemment, les filles voulaient se faire opérer des seins parce qu'elles jouaient à la Barbie et les seins avaient été beaucoup plus gros. D'accord ? Et j'ai fini dans 3-4 minutes. Et est-ce qu'Instagram fabrique des clones ? Certaines personnes, je parle... Les filles, mais les garçons aussi, maintenant, les garçons viennent jeunes, ils vont comme chez le coiffeur. Vous voyez, ils viennent avec des « je voudrais ça, ça, ça ». Et là, il faut se rendre compte qu'actuellement, avec les injections esthétiques, on a les plus grosses complications qu'on a, il faut le savoir, c'est dû aux injections. Quand le produit qu'on injecte va dans une artère terminale, comme l'œil, vous êtes aveugle. Et on doit lutter avec les marchands de produits injectables, la Signornic, qui voudrait le vendre à tous les médecins, mais comme il voudrait aussi le vendre aux infirmiers et infirmières, aux techniciens, parce que comme ça, quand vous avez une clinique, vous pouvez engager des personnes qui font des injections pour vous. Et on a un danger pour la santé publique qui est actuellement... vous n'êtes pas trop au courant parce que ça se travaille, on travaille avec les politiques, mais il y a une motion pour que certaines personnes non médecins peuvent injecter. Et là on aurait des problèmes. Je pense que quand on fait quelque chose, il faut pouvoir le traiter. Quand on opère, il faut pouvoir réparer. Donc, vous ne pouvez pas injecter si vous ne savez pas faire comment traiter. Et c'est très difficile d'en discuter avec les politiques parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, des lobbies. Si on est 150 qui font de l'esthétique en Suisse, vous avez 10 000 médecins généralistes, donc ils veulent vendre 10 000 médecins généralistes et il y a encore beaucoup plus de personnel non médical qui travaille. Donc, plus ils ont de personnel, plus ils vendent. Et nous, on doit lutter la contre au niveau politique. Et c'est tout un combat en souterrain qu'on donne. On appelle ça maintenant la génération milléniale ou millénium. Donc, c'est ceux qui sont nés en 2000 et plus. Donc, ils sont sur Instagram, sur YouTube. Et ils sont très influencés. Ben, on appelle par ce qu'on appelle les influenceurs. Ils ne se déplacent plus dans les magasins pour acheter. Ils font tout par Internet. Et ils sont très, très... Et je m'occupe de plusieurs influenceurs dans la consultation. C'est passionnant, c'est un métier génial. Elles mettent des habits et tous ceux qui les suivent achètent quand il y a un nouvel habit qui sort. Même chose, si tout d'un coup, elle dit qu'elle a fait une injection, il y a toute une population qui
aussi là-dessus, qui vont les faire l'injection. Et elles ont vraiment un rôle important. Donc, on est aussi en contact avec elles pour leur dire, attention, réfléchissez avant de lancer ça sur votre blog, parce que vous avez 1 million de personnes qui vous suivent. Et ce n'est pas évident. Et puis, j'ai la chance d'avoir ma filleule qui est actrice, donc qui est suivie elle-même par, je ne sais pas combien, 500 000 ou 1 million de personnes. Donc, c'est intéressant de discuter avec elle. Elle a 23 ans et c'est très très intéressant de discuter de comment on peut gérer, et elles ont un énorme pouvoir, et on croit que c'est nos enfants, on croit que c'est des bébés, mais elles ont un pouvoir qui est plus important qu'un PDG en cravate veston. Ensuite, les selfies aussi qui déforment, parce qu'elles se prennent des selfies et ça a tendance à, c'est des grands angles, donc ça a tendance à faire des grandes pommettes et des petits mentons, donc ça change la population. Et ça, inconsciemment, ça fait partie de ce jeu. Puis on essaie de leur dire, attendez, je vous prends avec mon appareil photo, avec un angle normal. Regardez-vous, c'est pas comme votre selfie, ce que vous montrez. Elle dit, je veux ressembler à ça. Mais non. Et elles se rendent pas compte. Donc, c'est là où je dis, on a une bombe dans les mains. Puis donc, comme on l'a discuté tout à l'heure, les laboratoires orchestrent tout ça, vont faire de l'influence. Et puis, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent. Et donc, c'est aussi à nous de les guider. Donc, encore un exemple. Kim Kardashian en soirée, voyez. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et puis, quand elle est à la plage, et quand elle est en soirée. Alors, c'est difficile à dire, parce que, voyez, elle a un postérieur qui est majestueux, mais alors maintenant, il y a des opérations dangereuses, mettre des prothèses dans les fesses, c'est une opération qu'on a eu beaucoup de morts. L'opération numéro 1 de la mortalité, c'est toutes les chirurgies des fesses. Et est-ce que pour cette soirée, elle a peut-être une maquette, elle a peut-être quelque chose, un corset sous la robe, voyez. Mais tous les jeunes qui la suivent, donc je ne sais plus combien elle a de millions, peut-être savez mieux que moi, mais elle a des millions de followers. S'ils la voient comme ça, ils vont dire, demain je file chez le chirurgien et je me fais faire la même chose. Alors que, voilà, un peu comme Beckham qui a été un match de foot avec un tatouage sur le cou, il y a une grande partie de l'Angleterre, des jeunes hooligans qui se sont fait tatouer un collier noir sur le cou, et le match d'après, il n'avait plus rien. C'était juste, il s'était peint en feutre. Vous voyez, c'est un peu, mais là, c'est fait quand c'est définitif. Ils sont tous retrouvés, toute partie de l'Angleterre, qui a le tatouage qu'on ne peut plus enlever. Et puis ils viennent à la consultation, ils disent, enlevez-moi le tatouage, ah, on ne peut rien faire. D'accord? Donc, la Kardashianisation, j'y arrive, du monde est en marche, il faut le savoir. On est influencé, qu'on le veuille ou non. Et je finirai par deux diapos intéressantes. Qu'est-ce que c'est que l'esthétique? Ça, c'est une étude très, très intéressante qu'on a faite sur Cindy Crawford. Parce que les personnes viennent nous voir avec des schémas en disant « je veux ressembler comme ça, je veux que ça soit parfaitement symétrique, mes seins, il faut que ce soit symétrique, mon visage symétrique ». Alors, Cindy Crawford, vous voyez, on a pris tout à droite, c'est elle au naturel. On a fait une copie-coller de deux côtés gauche du visage sur la photo du milieu. Vous voyez, c'est deux visages gauches au milieu, et de l'autre côté, c'est deux visages droits. Vous voyez? Et puis, elle est totalement différente, quoi. Elle est légèrement différente d'une photo à l'autre. Puis, on a mis 1500 photos en vrac, et puis, on a fait un panel de personnes qui font de l'esthétique, qui ont dû dire où est-ce qu'elle est la plus belle. Et puis, vous devinez ce qui a gagné? C'est la photo naturelle. D'accord? Donc l'esthétique, c'est tout est relatif. Ouais, le nôtre, quand il a fini les jardins de Versailles, il trouvait c'était magnifique, c'était parfait, mais il n'était pas content. Et puis, personne ne comprenait. C'est à l'inauguration, il dit, je ne suis pas content, ce n'est pas parfait. Il est parti dans un des côtés du jardin, il a pris une cisaille, il a cassé des buissons, il a tout cassé d'un côté. Puis il a dit, ah, maintenant c'est bien. Il l'a rendu asymétrique. D'accord? Donc, il n'y a pas de recette miracle, en gros. Il faut juste être bien dans ses baskets. Et puis être heureux. Si on ne fait rien, ça va très bien. Mais si on veut faire quelque chose, il ne faut pas prendre de risques. Et puis voilà. Merci bien. Merci beaucoup pour ce parcours qui a un aspect sociétal. Hein. On vit ça tous les jours, on le sait, on le voit. Et puis, tu as aussi mis en évidence ce que la technologie peut faire. Maintenant, vous savez que dans les selfies, il y a même des améliorations de votre selfie. Donc, vous pouvez encore modifier le selfie avant de le publier dans Instagram.
ça devient complètement délirant. C'est-à-dire qu'on crée justement des images artificielles et la technologie fait qu'on arrive à la diffuser tellement largement que c'est terrible. Ouais. C'est un métier qui devient difficile, hein. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Il n'y a pas que juste améliorer un petit peu, remonter ou rendre la personne un peu plus bien dans sa peau. Il s'agit maintenant de se battre contre cette masse d'influence pour changer l'image. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez la poser, je la traduis. Si vous voulez pas vous lever pour le micro, Sinon, vous me le dites et puis je le répète. Oui, je me pose la question. On voit que les populations sont assez violentes. Est-ce que une certaine image de soi pourrait rendre le monde un peu meilleur dans leurs relations? Parce qu'on ne voit que des guerres, on ne voit que des violences aujourd'hui, des gens impatients, intolérants avec les uns et les autres. Et je me dis, est-ce que alors, je répète la question juste pour ceux qui sont en ligne. Donc, effectivement, dans le monde actuel, on vit des époques où il y a beaucoup de violence. Est-ce que la violence vient aussi de l'agressivité ? Et puis la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut, par l'amélioration de la beauté ou peut-être de l'esthétique, calmer la violence et rendre les gens moins violents, moins agressifs ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Non, je pense que c'est comme une voiture. Il faut d'abord s'occuper du moteur, puis ensuite de la carrosserie. Je pense qu'il faut d'abord traiter l'intérieur. D'abord traiter l'intérieur, d'abord essayer d'être moins violent soi-même. Et puis ensuite, le reste en découlera. Je pense que si on est moins violent, si on est plus doux, on aura des traits, même soi-même plus doux. Vous voyez, quand on est méchant, on a les enfronces comme ça, on est crispé, on a ces rides du malheur, ces rides de l'agressivité. Je pense que si bêtement on est juste gentil, on a des rides du bonheur, même si on ne fait rien, on sera bien. Je pense à ça vraiment, oui. Oui. Est-ce que ça vous arrive de refuser une personne sur quatre. La question, c'est est-ce qu'il vous arrive de refuser une personne qui vous demande un geste qui n'est pas adéquat? Ouais. C'est très dur. Déjà, avec mes assistantes médicales, parce qu'il faut refuser beaucoup de monde, et puis travailler avec des psychologues, il faut vraiment travailler avec des psychologues qui aiment ça, qui aiment parler, qui aiment l'image, c'est beaucoup plus facile de dire oui à quelqu'un que de dire non de manière intelligente. Parce que si vous dites non à quelqu'un, non, dégage, ils vont ailleurs. Il faut dire non. Écoutez, les amener à ce qu'ils comprennent leur mal-être, que leur demande est irrationnelle. Parce que si vous acceptez, vous allez donner un substrat à leur mal-être. Vous avez quelqu'un, j'ai une femme magnifique, une top modèle qui est venue avec un bourrelet de graisse au soi-disant. Elle connaissait ses mensurations, vous voyez, elle disait 14 ici, 15 là, 16 là. Son corps, la barre était très haute, mais c'était déraisonnable. Elle était venue avec sa mère, elle avait fait une phobie sur un bourrelet de graisse quelque part. Donc c'est super dur à lui dire, mais écoutez, vous êtes magnifique, vous êtes la plus belle femme de l'année pour moi. Dans la consultation, vous avez un problème de dysmorphophobie, vous voyez beaucoup plus. Et ça prend du temps de leur faire... Donc je crois que c'est bien de travailler avec des psychologues qui peuvent, pas n'importe quel psychologue, il faut des psychologues qui sachent appréhender ces problèmes, qui sont des problèmes aigus. Et il y a un mois, j'ai le frère d'un... C'était terrible, mais vous n'avez pas idée ce que ça peut être. J'ai le frère d'une de mes collègues médecins à la consultation qui venait avec son problème de nez, qui est venu avec sa femme, il a 3 enfants, il était en pleurs, il a dit qu'il voulait... Il a quand même mis le mot suicide à un moment avec une femme, il a pignon sur rue dans cette ville, mais c'est un tel problème, il y avait un tel désarroi. J'ai dû faire une consultation psychiatrique, entre guillemets, en urgence, mais qu'il accepte d'aller voir. Et c'était terrible pour toute sa famille, et il faisait une fixation, alors qu'il était tout à fait bien, il avait un nez qui était correct, petite disgrâce, mais ça avait été engendré par un médecin qui, à 15 ans, était entré en matière. Il avait donné substrat à son mal-être. Il ne fallait pas le toucher, il fallait qu'il travaille dessus. Et imaginons que je l'opère et que ça soit magnifique, qu'il ait le nez qu'il désire. Un mois plus tard, il va avoir un autre... Un mois plus tard, il va dire d'un côté, le nez, c'est parfait. Mais alors,
mon oreille, docteur, et là on est reparti. Il faut pas, il faut vraiment qu'il... Et c'est pas facile. Mais donc, en gros, 1 sur 4. Et qu'est-ce qui vous arrive si le client n'est pas content? Ben, il faut, ça doit se, vraiment, ça doit se... C'est avant que ça se... Il faut les dépister. Il y a des gens qui ne seront jamais contents. Mais c'est dur parce qu'on est médecin. On choisit ce métier, vous voyez, si j'ai d'autres moyens, si je voulais gagner de l'argent, à la base, je ne ferais pas médecine, c'est long, c'est de longues études, on est des passionnés, alors on essaie d'aider les gens à notre façon. Et on perçoit le désarroi. Mais si on entre dans leur jeu, si je dis oui, vous êtes... voyez, ça peut cacher, je ne sais pas, quelqu'un qui vient à la consultation, ça peut cacher une homosexualité latente, il ne se rend pas compte qu'il est homosexuel, et il a des et pour nous c'est évident, on ne peut pas lui dire but en blanc, il faudrait qu'il en discute, et puis c'est peut-être un cryo, voilà, et alors qu'il est marié, il a des enfants, voilà, et on essaie toujours des situations un petit peu complexes, et il faut pas mettre le nez, il faut pas mettre le, ils ne seront jamais contents, il faut faire attention après. On se fait, à part ça, avant d'opérer quelqu'un, j'opère jamais, par exemple, en chirurgie. Lui est approuvé, consentement écrit à la main, lui est approuvé, j'approuve, j'ai bien reçu les feuilles, et tout est marqué, entre guillemets. Mais c'est pas ça, c'est pas notre métier. On est blindé juridiquement, vous voyez, ça, c'est pas un problème. Mais c'est d'aider les gens. Et des fois, on a envie de les aider, et c'est là où il faut faire attention. Il vaut mieux, on les aiderait pas en les opérant. Votre question ? Ouais. Alors la question, ouais, c'était quelle est la proportion des patients qui souffrent de phobie, en fait. Dysmorphophobie. Ou dysmorphophobie. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est un peu différent. Bon, j'ai de l'attente, donc il y a une sorte de... Il y a un coût de la consultation et il y a de l'attente. C'est une sorte de sélection de certains types de patients qui... Donc ça dépend d'un chirurgien à l'autre, si vous voulez. Et c'est là où c'est très dangereux. Vous avez toute une génération de médecins qui viennent d'autres pays, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de travail dans leur pays. Il y a une législation qui est en Suisse qui est très laxe. Maintenant, on a pu fermer... Cette législation, il y avait une faille, parce qu'on ne travaille pas avec les caisses maladies, on travaille avec l'esthétique, il y avait des failles. Donc ce qui fait que c'est des médecins qui, entre guillemets, n'ont pas une grande formation. Dans des pays, il y a des super qualités de médecine, mais c'est dans leur pays, pour des raisons diverses, ils n'ont pas le succès qu'ont les autres, donc ils doivent s'expatrier, aller ailleurs. Et c'est très difficile à les reconnaître. Et ceux-là ont malheureusement une grande population de dysmorphophobes, comparé aux chirurgiens plasticiens, aux médecins esthétiques, classique. Dans mon cas, je dois avoir, je ne sais pas, je rencontre un tous les 6 mois, un. La plupart, c'est des gens normaux. Les patients qui viennent, c'est le contraire. C'est pas le patient classique qui fait de l'esthétique, c'est quelqu'un qui, au contraire, n'ira pas du tout dans les instituts de beauté, passera pas son temps à se regarder dans le miroir. C'est une personne qui a un problème, qui veut régler le problème, puis qui passe à autre chose. C'est des gens, au contraire, qui ont cette chance, pour la plupart, de ne pas avoir le quotidien. Vous voyez, le quotidien, c'est quoi ? C'est vous allez faire les courses, vous êtes fatigué, il y a des problèmes financiers, vous avez des soucis, la famille. Et c'est des problèmes qui... C'est des personnes qui ont la chance de pouvoir prendre du temps pour s'occuper d'eux, quoi. Et ça devient certains des amis, vraiment. J'aime pas le terme client, j'aime le terme patient. Ouais, client, ça fait un peu... Ouais. Pas forcément, ils sont mieux dans leur peau. C'est ça le but. C'est pas forcément, d'un point de vue... c'est ça qui est assez étonnant. C'est pas forcément, tout est relatif, mais ils se sentent mieux. Ils ont un problème qui les travaille, si vous voulez. Et puis on arrive à leur résoudre ce problème. Et ce n'est pas forcément faire un énorme changement qui se verra, mais ils ont les yeux qui brillent. Ils se sentent mieux dans leur peau, vous voyez. Et certaines personnes, je pense à une rhinoplastie, l'exemple de la rhinoplastie, j'ai une personne, elle pouvait, tout en photo, toute sa vie, elle s'est pris que de face. Elle ne pouvait pas être de profil, parce que puis je crois que c'était une jolie jeune fille comme ça. Et après, elle m'a envoyé des photos de profil avec un grand sourire. Et ça avait quelque part, elle se sentait plus sûre d'elle-même, mieux dans ses... C'était très léger comme changement, mais
ça suffit. Et puis même la famille ne voit pas, des fois les parents ne voient pas qu'elles ont fait quelque chose. Oui, énormément. Et j'en veux beaucoup, j'appelle beaucoup de familles et des amis, si vous voulez. J'appelle ça les corbeaux, souvent. Les gens, ils coincent autour de vous. On dit, fais pas ça, ça va être horrible, fais pas ça. Puis quand c'est fait, ah, t'as bien fait, c'est génial. Vous voyez, ils vous stressent. Et puis, alors je dis, non, parlez-en pas à votre famille, parlez-en à personne, faites ce que vous voulez faire, après, vous pouvez en parler. Et puis, il y a beaucoup de faux amis. Je me rends compte vraiment, beaucoup de personnes croient qu'ils ont des amis, mais ce n'est pas des amis. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, qui sont autour, qui font les petites phrases assassines. Et puis même en post-opératoire, on peut avoir un résultat magnifique. Il y a la meilleure amie, qui a la petite phrase assassine qui va tout détruire, quoi, vous voyez. Et puis, ce n'est pas des vrais amis. Puis je leur dis, mais écoutez, elle vous a dit ça? Fuyez-la, ce n'est pas une amie. Puis en fait, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai, maintenant que vous me dites ça. Elle est très proche de moi, mais ce n'est pas une vraie amie. Je réalise toutes ces petites pointes. C'est dit avec le sourire, de manière sympa. Mais les mots ont leur importance, vous voyez. Si vous pouvez dire quelqu'un, t'es un abruti, avec un grand sourire, c'est dit que c'est un abruti. Et il faut faire attention à ses amis quand on fait ce type d'opération. Oui. Bonsoir. Dysmorphophobie, ouais. Ouais, il faut, exactement, c'est une très bonne question. Il ne faut pas avoir recours à la médecine chirurgicale. Il ne faut jamais se faire opérer si on est dysmorphobe. Il faut d'abord aller voir un psychologue, quelqu'un qui... c'est un peu comme une béquille. Moi, je dis aujourd'hui que c'est comme une béquille. Vous êtes cassé la jambe, vous allez voir un psychologue, c'est comme une béquille. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou. C'est juste transitoirement, vous réglez un problème. Parce que souvent, les gens qui sont dysmorphobes, c'est par exemple une femme, vous lui dites... elle vient vous voir et puis elle dit « Je suis trop grosse. » Et puis, on a une femme qui est très mince. Je lui dis, dessinez-vous. Puis, elle va se dessiner grosse. Elle dessine une personne grosse. Je dis, mais non, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes mince, regardez-moi la glace. Ah non, je suis trop grosse, regardez-la. Vous voyez, c'est fou. C'est quelqu'un qui vous dit, mais j'ai un nez et je n'opère pas les hommes. Je refuse d'opérer les nez chez les hommes. Par exemple, je suis assez extrême dans ce cas. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent... c'est des problèmes. Sauf s'il y a une fracture. Vous voyez, quelqu'un, j'opère à Toulouse et après les matchs de rugby, il y en a, oh docteur, il faut que vous me reconstruisiez là le nez parce que vous vous rendez compte, j'ai fait beaucoup de rugby. Et heureusement, j'avais le nez pour arrêter les coups, hein, sinon je les prenais en pleine tête. Ça, c'était les. Mais là, on les opère, vous voyez, c'est les Toulousains, ils sont. Mais dans les nez chez les hommes, il y a beaucoup de dysmorphophobie. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui est un charmant jeune homme, qui dit mon nez est horrible. Et puis vous lui dites, mais votre nez, il est très beau, votre nez il va bien, il vous masculinise, il est bien. Et pour lui, il sera horrible. Et il ne peut pas comprendre qu'il est beau. Il croit qu'on ment, il croit qu'on, pour lui faire plaisir, on ment. Donc je pense que c'est vraiment un problème important qui peut aller jusqu'au suicide de certaines personnes, qu'il faut prendre au sérieux, comme l'anorexie. C'est des choses sérieuses. On voit une très jolie fille anorexique qui vient pour des prothèses, ce qui m'est arrivé plusieurs fois d'opérer, mais en collaboration avec des psychologues. On peut se suicider. Il y a des chiffres très effrayants de suicide chez les jeunes. Et donc, il faut le prendre avec le sourire, en rigolant, mais en étant conscient que les mettant à l'aise, en parlant cool, vous voyez, tranquille, pour les mettre à l'aise. Et puis, ça passe. Mais donc, je dirais absolument avoir des psychologues et des bons psychologues. Parce que les psychologues aussi, il y a différents types de psychologues, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Une autre question? Oui. Ouais, PRP, oui, c'est PRP, c'est très publicité, parce que, bref, je connais bien, parce que celui qui était venu me voir quand il a commercialisé, là, c'est quelqu'un du canton de Vaud qui a commercialisé. Alors, c'est il y a un traitement maintenant avec les plasmas riches en plaquettes, qui est, ouais, tu pourrais je vais expliquer, ouais, l'utilisation qui est introduite aujourd'hui. Et la question, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, donc le plasma riche en plaquettes, c'est une technique esthétique, si vous voulez, on prend... du sang, on garde le plasma. Le plasma, c'est une partie du sang qui n'est pas les globules rouges. On le sépare, si vous voulez, on fait une centrifugation. Et puis on garde
que le plasma. Et on peut l'injecter en esthétique pour améliorer l'aspect esthétique. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu. C'est très business oriented. Comment on dit en français ? C'est très orienté parce que ça fait vampire facelift. On dit, oui, on fait de la publicité, on dit le lifting du vampire parce qu'on prend du sang. En fait, ça a surtout une action par la piqûre. Si vous voulez, quand vous faites une piqûre, donc j'y crois pour les cheveux, ceux qui perdent leurs cheveux, ils peuvent, ça mange. C'est ce qu'il y a actuellement, c'est la seule indication que je retiendrai. Pour les cheveux, quand on perd ses cheveux, si on fait des injections de PRP, on peut mettre d'autres choses, complexes vitaminés, ça va aider à maintenir les cheveux. C'est la seule indication que je retiens personnellement. Ça marche un petit peu parce que maintenant, ils mélangent avec l'acide hyaluronique, qui est une substance, donc ça marche. Mais c'est l'acide hyaluronique, à mon avis, surtout qui fait l'effet. Et puis, il y avait une certaine indication dans les poches, sous les yeux, c'est la seule indication, mais non, ça peut faire des œdèmes, la peau est tellement fine sous les paupières. Par contre, dans les cheveux, l'effet du PRP, c'est la piqûre surtout. Parce que quand vous faites une piqûre sur la peau, vous avez la piqûre qui pique la peau, qui fait un traumatisme, et le traumatisme de la piqûre fait que votre peau va créer du collagène, vous voyez, donc quel que soit le produit, quand on fait des petites piqûres, plein de piqûres, c'est surtout ça l'effet. Et ça, et plutôt quitte à mettre quelque chose, autant mettre du PRP, je trouve, dans les cheveux, et puis je recommande, mais pas ailleurs, je trouve. Mais c'est pas nocif. Si on fait ça, ça va pas, c'est pas dangereux. Donc voilà. Une autre question ? Ben, si c'est pas le cas, merci encore. C'était intéressant. C'est l'évolution qui est des choses qu'on a de la peine à suivre, et surtout la force de la puissance de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. C'est un côté de votre métier qui a quand même pas mal changé ces dernières années. Merci à tous d'être là. Merci pour cette conférence. Et puis, à bientôt pour la prochaine.